Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Tout pays a connaît que parti place pas. Parti plateforme nationale secteur populaire haïtien, nous avons passé environ 4 ans et 6 mois pour que nous avons supporté toute action politique du président Jovenel Moïse avant et après son assassinat. Odieux, abominable. M'a rappelé pour papa haïtien la dernière volonté politique du feu président Jovenel Moïse a été matérialisée par la nomination du docteur Ariel Henry comme premier ministre. Il a arrêté chef de l'État à Tessien. Il était bas PM Ariel Henry en feuille de route. Adressé problème sécurité nationale là. Lancer le dialogue interhaïtien monter un gouvernement d'union nationale un gouvernement très inclusif et puis organiser l'élection pour renouveler personnel politique pays. Parti Blanc Spar, voulant rester cohérent à ses engagements politiques avec le président de la République, et Parti Blanc Spar, voulant rester fidèle à sa doctrine équilibriste politique, qui veut dire unité dans la diversité, nous avons choisi de paraffer l'accord politique pour une gouvernance apaisée et pour une paix sociale de manière durable en ABIA. C'est un objectif pour nous continuer à supporter les actions politiques du feu président Jovenel Moïse, lâchement assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Tout le monde connaît dans le pays comment la crise politique là lui affaiblit l'État. Crise politique là il affaiblit toute institution. Il affaiblit appareil justice là. Je dis à Parti Blanc Spar était accroché à des revendications. Côté que pour le président Jovenel Moïse, je veux une justice. Pour famille, je veux une justice. Pour peuple haïtien, je veux une justice. Je nous croyons. Crime. Et au fait. Contre. Le président Jovenel Moïse là. Son crime contre le peuple haïtien. Bien entendu. Son crime transnational. Parce que c'est des terroristes. Qui sortent dans leur pays. Associés. Avec des haïtiens.
qui n'a pas conscience, qui a abouti à assassinat tragique du président Jovenel Moïse en la chambre la caillou. Nous décidons si un accord ça, accord politique ça, c'est justement pour Père Ariel Henry capable de joindre nous une certaine légitimité qui pour balayer les moyens de sa politique pour renforcer l'appareil justice là, pour le capable joindre avec la communauté internationale là, des pays côté que t'as des théories, t'as des terroristes qui sautent là d'ailleurs, ou t'as une assassiné président. Nous souhaitons que à cause à BPM Ariel Henry une certaine légitimité pour le capable de gagner opportunité pour le renforcer appareil justice là et pour le bénéficier des entraides internationales pour accompagner autorité judiciaire haïtienne justement dans objectif justement pour enquête sur assassinat président Jovenel là y aboutit et que pour auteur intellectuel yo auteur matériel yo complice yo pour la justice traquer yo pour la police traquer yo et pour une sentence que yo mérité porter force nous par Rockefeller pour nous dire que pas prendre aucune provocation parce que faut que président jeune justice ça n'est qu'à faire c'est des bagages qu'on connaît à la main que retirer parce que justice président la campé et nous même jeudi à nous prendre la rue pour nous dire ministre Ariel Henry ça l'a fait à nous connaître et jeudi moi Rockefeller moi commissaire gouvernement moi Belfort c'est comme si c'était moi un peuple haïtien et nous prenons la rue nous pas camper jusqu'à ce que le président va d'une justice. N'a pas dit Ariel Henry, n'a plus de jeune niveau de ici, parce que Fonal de elle est là, pour nous descendre avec le paquet, pour la répondre à une question devant la justice. Et je dis à Mbakwe, Ariel Henry, il n'y a aucun droit, aucune autorité comme ministre. Alors comme ancien ministre, et je dis, vous l'avez dit que voilà, et au monde qui est impliqué dans le dossier, premier barreau qui vous fait, c'est à répondre à une question devant la justice. Et moi, c'est Jodia, c'est un réseau qui fait nous là. Et nous ne pouvons pas camper dans la bataille, pas nous. Et l'ambiance connaît. L'ambiance connaît pour nous faire, pour nous dire que Jodia, Chenio, l'irréalité pour nous comprendre la réalité. L'irréalité pour nous essayer de passer. Et Jodia, des séries de monde 80, 70 ans, 66 ans. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes toujours là. Mais au moins, il faut que la jeunesse en chance. Jeunesse a une balle avec nous pour nous faire des stènes. Mais il faut tuer tout. Et moi, c'est nous-mêmes, Jodia, l'ambiance. Nous là, et à quoi que vous le à quoi la rire, à quoi fête dans la rire, la fête sous son masque, côté monde de masse défavorisé, ben les cités solaires, Tokyo Fotouro, ou à Jonio là, mon erreur, mon gros hôtel, pas quoi qu'on prenne nos bouts de couille, côté monde pas comprendre. Et en plus, pas qu'à dire à quoi c'est justice, président de la République. Ariel Henry, n'a plus que venu à justice, je veux, peuple a vu dehors, pour nous mener au niveau paquet, pour aller répondre à question de la justice. Et notre ancien premier ministre, Ariel Henry, la soupe primature. La seule pénitence nationale liée. Oui, la souveraine primature est la pénitence nationale. Et si vous parlez, si vous parlez à répondre devant la justice, nous même peuple là, dans une charge, nous menons la pénitence nationale. La petite work fait l'effet, que nous avons, nous comprenons la bataille qu'on a menée. La petite tout le monde, toute journaliste, toute journaliste. Mais je ne vais pas faire ça. Toutes viennent rejoindre nous, pour nous battre, pour nous combattre, pour président Jovenel Moïse, jeune justice, c'est une équipe sacrée, merci beaucoup. On va adresser la communauté internationale là. C'est le patron, c'est le conseil. Amandel, dis un mot pour Haïti. Directement, avec M. Foot, qui devine là, qui devine pour décision, pour nous dégager changer, pour bagarre dans le pays. Moi-même, ça te m'a dit.
Jounen jodi an, negote pou nan di ke se jounel ki kanseri se peyi an. Negote kope, yote ouve bouch lo. Yote di ke, otomatikman jounel ale pou un peyi apre solisyon, apre sou tout bagaj. Jodi an la, bagaj la vin pi mal. Mon secteur de pays a toujours assassiné au lard en fin de monde. Kidnapping monté en plus mal que les gens qui étaient auparavant. Et nous disons celle qui a ouvert, merci. Mais, pas oublier, c'est pas celle de bandits, ça y est, de l'autre bandit qui est en contact. Nous avons rien pour faire une compte toute l'autre bandit. Et pour présenter Jovenel Moïse, je dis si, on a chose à faire. Premier interrogatoire fait, nous avons suivi jusqu'à ce que, si on a fait d'autres interrogatoires, si on a brûlé encore. On a toujours là pour assister. Mais je ne vais pas dire davantage parce que je connais que le secret d'instruction caractérise cette phase du dossier. Mais par rapport à quel charge Kembe contre client, qui sont cadres. Je ne peux rien dire. Le secret d'instruction. Au moment opportun, on saura. Le secret d'instruction. Parce que, excuse-moi un moment. Comme professionnel, comme avocat, bon, même si je ne suis pas jeune, comme avocat expérimenté, parce que je suis jeune dans la profession. Et à chaque phase, il y a un comportement pour moi comme avocat. Si par exemple nous devons faire le jugement, nous avons un comportement, nous avons parlé, etc. Nous avons fait un courant, nous devons la prison de bagaille. Mais en phase, ça n'est là, on ne peut rien encore. Comme nous assistons, nous avons trois avocats qui assistent le CA, nous devons la tour. Et après, c'est que l'avocat a passé suivant les règles de l'art. Et qu'on n'y a pas qu'à dire rien davantage puisque nous connaissons secret, la loi de l'Omerta. Est-ce que le juge n'est pas jugé encore? Je ne sais pas encore, c'est au juge de décider. Donc, maître Stanley Lafortune a déjà précisé, vu que le secret de l'instruction, parce que l'instruction est secrète, non publique et non contradictoire, client nous, dans le cadre d'instruction que le juge a fait dans le cadre de dossier assassinat président, lui répond à toutes questions qui juge utile et nécessaire pour juge là. À ce moment-là, nous pas gain pour nous faire trop commentaires dans le cadre dossier à vue le caractère secret de l'instruction. Nous aurons à produire une demande très prochainement et juge là pour ça pour le faire les demandes là soumettre à lui-même. Il est trop tôt, attendez, parce que juge là gain plusieurs monde pour travailler dans le cadre dossier ça. Ça c'est client noir pour les Amazon qui c'est responsable Katim. Juge là, dans le cadre de responsabilité, le juge là a été jugé important pour le temps d'elle et lui répondre à toutes questions convenables et dans le cadre d'instruction. Moi-même, je suis étonné parce que moi, dans le cadre de dossier, je reproche Paul Eddy Amazon de tentative d'assassinat sur Madame Président et complicité d'assassinat que nous-mêmes nous nier catégoriquement. Et au cours des instructions que Jula compte ça l'a fait, il a pris nos dents. Et nous-mêmes. Oui, mais c'est pas pour le moment. Et très prochainement, il a pris invité encore. Nous-mêmes, nous, là, je dis à ça fait énième fois, nous présents devant le ministère de l'Éducation nationale. Nous venons là pour nous demander l'argent, subvention COVID-19. Deuxièmement, comme Sugo, il nous depuis 5 ans. Et nous disons à ministre Marie-Lise Joseph, qui était déjà répondu pour le pays, je ne dis à le changer. Et il y a un chef directeur cabinet qui c'est Télémac, qui en se bavel, nous dit aussi, on va caper. Que yo retire quand yo nan place là. Parce que après 48 heures, bagay la a changé. Parce que nous même faut nous toucher comme subvention et l'agence Sugo avant l'école là ouverte. Mais ça m'a dit moi, Borel dans l'école CEC. On éducation nationale là, on bureau là en l'air là, bureau de public là. Tout gros chef a passé là. Depuis fond là pli, moi même tant comme mon travail sont esclaves mien. Parce que regardez où mi pour nous faire péturer. Matin devant barrière, tout mi en salle net à ravine débordé. Vous comprenez ça me doula? Il n'y aura pas rien pour là. Tandis que là, c'est une équipe qui là, de l'eau pas jamais traverser là. Jamais de l'eau pas jamais traverser. De l'eau faire des chemins. Ils ont fait là, ils ont fait en bas. Dans Rigoua, aller leur vivre en bas, là, leur vivre tout le jour, ils descendent. Mais pas grand rien qui fait là encore. Mais tant Dieu, on vit au l'État.
tout gauche va passer ici à là. Mais tant moi, pas grand rien qui fait dans quartier. On l'école là, on éducation là, plusieurs écoles là. Père de Montfort, CRC, l'autre bagaille. Mais tout paye l'État. Mais pour qui ça rien va rien fait. Hein? Gardons mi, l'autre jour là, on a acheté 3 petits sacs bagaille pour 1 700 $. Kabi pour nous faire mi ça. Nous avons gagné 2 jours. L'eau a vini, mais elle est salie encore. Mais elle n'est pas bon. Elle est juste qu'elle a l'État et nous payons l'État. Nous avons un problème bon, ici à la Nababiola. Nous avons un ravine là qui a nos problèmes. À chaque fois la pluie a vini, c'est gros dégâts fait. L'eau a pas une route pour le passer. Alors nous disons ça, nous fermons ça et ça passe la radio Guinée pour ça. Et l'État va faire pour nous avec zone là. Nous avons un problème avec zone là, la pluie tombée. Bon, il fait l'île à longtemps, il fait l'île à longtemps. Chaque fois, les dégâts fait, ils viennent nettoyer, ils ne pas faire aucun okay, autre mouvement encore. Son pont l'a mérité. Nous besoin de pont, hein? Faut que son pont pour bailler la solution. Tout en bas, il pont, hein? A toujours des problèmes là parce que la ravine, c'est dans la tête en l'air lié. L'autant de la pluie a venu, gros nègre, canade, il y a pile caoutchouc, ça y est là. Les gars, le caoutchouc, ils viennent, ils bouchent tout. Hein? Là, son tout égo. Là, c'est une, la gain, ça veut dire qu'ils bouchent caoutchouc, ils bouchent espacio. Par un côté, pour de l'eau à passer, qu'on y a là depuis de l'eau à venir, caoutchouc. À boucher c'est gros dégâts fait même machine pas qu'à passer non pour qu'on gagne monde qui victime non gagne machine qui compte pas qu'à les compte bloquer machine pas qu'à passer machine compte tomber dans tout égo là nous besoin solution comme si nous besoin pour capable faire route là pour nous capable une solution les la pluie à tomber c'est ça nous besoin mais vous connaissez tout temps le conseil là la vente là pas jambe cap et nous pas jambe cap jeune la vente là tout en fatra là parce que les fatra là les bon problème bac avant nous comprenez mon yo pas venir acheter parce que à cause des fatra vous comprenez à cause fatra bac avant même obligé me rester son situation m'a sauvé obligé me mettre tapis ça me couvrir li me ranger le conseil normalement pour inviter mouche avec poussière mais pour fatra mais les bon problème en pile il fait bac avant là pour l'ouvrir là bon connaît l'école là ouvrir là son l'autre problème la pied pour moi. L'école là ouvre là m'pap ka vendre même pas etim yo pap ka une côté pour passer pour venir acheter. L'op parle de coopératif série ça fait m'étonner. Autrefois dans coopératif ou même tout depuis cela on t'a pas coopératif. Et de nos jours et nous l'école fermée m'pa quoi assez d'elle sur mix assez d'elle de mettre 10 carnets. Si nous pas mettre 10 carnets comment je pourrais bien pour la mi-septembre le 26 comment nous pas le faire 10 taux de réussite là. Parents par contre si mon réussi, parents pas prend carnet et mais l'école ouvre pour quoi yo. De ce fait, je ne peux pas parler de réouverture, mais je dis que ça, puisque et ça crée des bagages très cruciales, des bagages très mabiales pour ni directeur ni parents, parce que nous ne pouvons pas réouverture l'école. Qu'il pleuve, qu'il soit appauvri, mais en attendant à quoi? N'a pour vous, il faut nous ouvrir. Mais elle est n'importe là pour vous parce que c'est un ordre, c'est sacré, on va en réagir d'éducation. Il faut ouvrir, mais nous ne pas attendre, on va capir bon que ça. Chaque fois que nous souhait, nous tout dit, l'État parle nous. Et pour l'État garder à ça, pour dire, m'a suspendre, subventionner gros l'école, l'école Kabaye Kobio, m'aller vers l'école. Et ça crée un plan d'éducation. En Haïti, pas de plan d'éducation. L'autre bord, c'est monde qui pire, c'est l'école qui baille. Ouais. En Haïti même, c'est l'école qui gagne au bail. En ça du ministère, ouais. Plan d'éducation là pour ouvrir l'école qui pas cabio au moins pour accompagner par an. Autrefois nous te conduisons sous Matéli, mais depuis que 7 ans là nous pas jouons rien. Nous avons demandé ça, nous seulement de cause crise économique ça, au moins pour le ministère, tu regardes le calendrier pour entrer avec ça que le PNCS dans l'école, pour le cas et des timons de nos places. Donc nous pas te frapper pour dire comment nous sommes victimes, mais nous te sentons dans l'alimentaire là. Nous sommes très proches dans le sud. Et une fois que nous avons eu Mazio, nous avons fait des délégations, nous avons fait un convoi en solidarité avec les gens qui frappent dans le studio, à travers le groupe, nous avons fait un convoi, nous avons fait une visite dans le sud déjà. Nous avons très frappé tout parce que les gens nous frappent, c'est les gens nous et que nous concernons mal, ça atteint nous tous indirectement. Donc nous manifestons solidarité, nous prions pour les gens de temps en temps dans l'église là, et puis déjà nous manifestons dans les visites et nous portons ce qui sont là, ce drap, ce nourriture, ce lampe pour servir. Là, il y a des bases. Jusqu'à maintenant, on a fait collecte toujours pour que nous manifestions envers eux et avec, en solidarité avec l'autre paroisse parce que diocèse l'a demandé tout pour paroisse manifester avec nous dans le studio. Donc, on a continué à faire ça parce que c'est petit bon Dieu même avec nous. C'est chrétien vivant, il est frappé, ça concerne nos variétés indifférentes. Alors, même son paroisse qui est fondée depuis à l'époque coloniale. Je ne sais pas la date exacte, mais elle est entre 1800 et. C'est depuis longtemps. C'est une paroisse qui est très ancienne, mais. Qui depuis longtemps était le patron, ça, c'est François d'Assise, qui est patron d'écologie, qui a loué bon Dieu à travers la création, et puis qui est très humble, son frère, qui a appelé nous pour nous fêter
pour nous que nous remet l'autre, nous venons remettre pour nous dire bon Dieu avec humilité, remettre création. Hein? Donc ça va être sous thème ça, même esprit ça nous continue à fêter, faites là chaque 4 octobre. Bon, vous participez par exemple, soit sur Port-au-Prince, vous pouvez prendre votre place. Et Gangouave, très facile, accessible. De bout de la gauche, dans Gangouave, c'est facile. On entre sur la rentrée. Et puis si vous voulez participer, nous avons 4 paroisses là. Nous avons numéro par là, nous avons téléphone par là et nous avons adresse électronique li, on a toujours écrit. Et à travers célébration que nous célébrons, les grandes télévisions qui viennent, nous toujours by adresse par là, numéro de téléphone, non, email, non, et puis nos pays qui sont là, c'est pays li, de données qui curent par là depuis 4 ans. Donc, nous avons 4 ans en communication avec nous, soit à travers le bureau. Parce que ce par là, nous avons l'école, nous avons l'école en secondaire, de kindergarten, préscolaire à la philo. Et il y a une chapelle, il y a 7 chapelles dans la montagne. Donc, il y a plusieurs canaux qui sont capables d'entrer en communication avec nous si vous voulez participer. Déjà, nous tout le monde qui est de l'autre côté, bienvenue en fait là. Saint-François, c'est un monde qui est très accueillant. Il y a un monde. Donc, si vous voulez participer, bienvenue. Nous disons, qu'est-ce que vous faites dans là? Parce que bon Dieu, par exemple, abandonne petit lieu, même si on a un problème, une difficulté. La bonne chose qui va un problème, non? C'est un accident écologique, son accident géologique. Pour qu'on puisse espérer. Nous avons la prière pour vous, pour pas la guerre. Même si on a un problème, pas la guerre. Et on va penser tout bon Dieu la guerre. Non, on va bon Dieu marcher avec nous dans difficulté. Non, ça bon. Mais ça va vous prendre tout ce cri contre bon Dieu. Parce que bon Dieu a un mot quand même pour dire pour nous. On a une façon pour aider nous. On a des moyens qu'il peut utiliser pour aider nous. Qu'il faut remettre là, pas perdre la foi. Parce que bon Dieu a toujours été avec nous. L'événement a commencé le 25 septembre, la fin du 3 octobre. C'est toujours 9 jours. Mais avant l'événement, nous gagnons des temps de mission. 3 jours d'émission, 22, 23, 24. Et avant mission, nous gagnons 19-20 septembre. On a fait porte à porte, on a invité mon neveu à l'église, comme nous faisons chaque année. On passe pour nous rejoindre mon côté OIA. On a parlé avec eux, on a prié avec eux dans le quartier, on a marché. Et puis, ça va en plus ferveur. Et bien, je fais là, on participe au contact. Le thème fait là, c'est tant que Saint-François, on a servi mon Dieu création pendant qu'on a travaillé pour la justice et la paix établie dans le pays. Vous reprenez. Tant que Saint-François, nous avons servi bon Dieu création pendant que nous travaillons pour la justice et la paix établie dans le pays. Voilà, nous disons toutes bienvenue. Par ça en contact avec nous, en communion avec nous. Même si nous sommes loin, nous continuons la prière pour vous et déjà bienvenue si vous voulez participer. Nous sommes tous prêts pour nous accueillir nous, parce qu'il faut nous faire un seul faisceau dans la foi. Pour la prière, bon Dieu, nous mettre là, pour nous faire un secours, surtout pour nous faire la paix dans le pays d'Haïti, nous faire la paix. Et pour que la tranquillité, pour tout le monde qui vive mieux dans le pays noir, parce que c'est bon Dieu seulement qui secoue nous, pour nous continuer la prière pour tout le monde capable de venir. Et climat d'insécurité généralisé, contrôlé par l'équipe PHTK, qui installé dans le pays, qui fait jeudi, nous tous qui là, avec tout le monde dans la population, à vivre dans l'inquiétude. Terrible. Et deuxième point, c'est n'a continué à affirmer adhésion combite là à l'initiative Accord Montana et pour nous-mêmes qui nous croyons que son initiative qui est importante qui capable permettre à ce que nous capable sortir dans la crise là. Tout d'abord, n'a dit tout le monde dernier moment ça nous constater gain une montée généralisée de l'insécurité dans le pays là. Côté l'état inexistant tout partout ces groupes gang, groupes armés qui contrôlait l'espace public là, citoyens et citoyennes n'ont pas qu'à évacuer librement à occupation. Ça la cause, gagner un sentiment d'anxiété, de peur, de panique, la caille famille. Et nous avons quelques semaines d'ouverture des classes. Et nous tous connaissons, ou pas capable de parler d'éducation dans nos sociétés, côté Timounio, pas trouver la paix, pas trouver sérénité pour être capable d'apprendre. Et pour nous-mêmes, dans le combat, l'interprétation, la compréhension nous sur l'insécurité, ça, il n'est pas sorti dans le ciel, il est tombé à terre. C'est le résultat de la bataille qui a gagné au niveau de l'équipe PHTK. Et Jovenel Moïse, dans le moment locaux, il était fait une déclaration. Et dans le moment, la déclaration ça a implémenté, l'a justifié. C'est que Jovenel te dit, les nouveaux est malé. Parce que dans le moment, il y a une mobilisation pour Jovenel quitter le pouvoir. Et nous, m'a quitté derrière. Et moun, je venais la quitter derrière, c'est de moun, pendant 5 ans, il était assuré que l'armée, il quittait le fonctionnaire en toute impunité, qui est capable de s'y mettre la terreur. Et je dis, je venais pas là, mais moi de gouvernance que je venais d'établir dans le pays, il a quitté Chita sous violence et répression, il continue à tailler Banda. Et nous, pas sans savoir, si moun pas épargné, jeune pas épargné, également, il y a des hommes d'affaires qui sont victimes dans les derniers jours, et nous profité dans nos combats là. Pour nous voir toute sympathie, nous, toute solidarité, nous, bah, moun qui victime, et nous dit, c'est vrai, il y a panique dans le pays, mais il n'y a pas de baisser les bras,
yo supposé ouais comment organiser au davantage pour capable porter réponse à cette situation ça et pour nous mêmes dans combat là réponse à l'insécurité a li passer fondamentalement dans bataille pour mettre de Ariel dehors et dans primatuel pour en otage et dans bataille de contre monde qui associé à Ariel Henry qui a implémenté testament Jovenel Moïse. Et dans le testament Jovenel Moïse, nous n'avons pas fait nous confidence ça. Il y a deux bagages Jovenel Moïse, trois bagages Jovenel Moïse. C'est clair que Ariel Henry te promet. Premier, c'est garantie que son procès Pedro Caribea l'a enterré en Tiwa. Deuxième, c'est garantie impunité pour toute gang que Jovenel Moïse a entretenu. Et ça, il faut fonctionner en toute impunité, à circuler, ni directeur général de la police, là, ni ministre de la justice, là, ni Ariel Henry, qui est chef CSPN, il n'y a pas manifesté aucune volonté pour traquer bandits. Maintenant, qui ça nous qui étonne nous dans combat, qui étonne également la population, c'est des monde qui tape bataille contre l'insécurité, qui tape bataille contre l'équipe PHTK. Et dans le moment où on a une conférence là, pendant Ariel Henry a implémenté le projet Jovenel Moïse qui allait dans le sens contraire avec le pays, qui a même tapé combattre quelques mois de cela, et ils sont en train de cohabiter avec Ariel Henry au détriment de l'intérêt général là, de l'intérêt pays. Pour nous même dans combat, c'est une déception pour un certain groupe que nous croyons que politique fait de fait avec moralité, de fait avec éthique, de fait avec conviction. Et non, l'opinion publique connaît de secteurs, tous les réseaux sociaux connaît de secteurs qui, à un moment donné, combattent même contre tout tabac, qui ont dénoncé ce qu'a fait là. Et je dis à eux cohabiter. Évidemment, de par, et nous sommes capables de dire, implication, combat dans l'accord Montana, n'a pas évité un moment ça pour une très polémique. Pour ne pas en citer de nom, mais le peuple a connu de qui est-ce qu'on a parlé, et sous peu, nous croyons que. Non, journaliste a connu Pibé Bassem. Mais qui ça, ça traduit, et c'est ça, pour le peuple a pas désespéré, il prend un coup de basse à eux, pour ne pas penser que le fait que les deux mouns qui travaillent, la bataille a fini. Nous-mêmes, dans le combat, qui ça nous garantit à la population, c'est que nous avons continué, qu'il y ait des discours, qu'il y ait des engagements, qu'il y ait des batailles que nous avons menées pour notre qualité de société, pour nous-mêmes, nous croyons la cohérence. Doit être au cœur de la vie politique, au cœur du combat politique. Maintenant, dans ce qui est pour avec Akoma Web là, c'est que Akoma Montana, merci, Combi continue à supporter Akoma et qui ça Combi dit dans le moment, Akoma suspend un accord commission qui a travaillé sous l'IA, qui fait 6 mois de travail sous l'IA, et je dis à Akoma c'est Akoma PIA. De nous, nous, qui pour venir signer Akoma, que nous après les pour venir signer Akoma. Et un paquet qui déjà signé. Et il y a des gens, comme on a Ariel qui a travaillé contre le pays, certainement, ils sont capables de faire. Parce que qui s'est passé? Et ça, nous voulons, journalistes, les gens qui peuvent gagner pour attendre des conférences, ça comprend. Nous n'avons pas d'accord, groupe qui n'est pas d'accord, vient à Akoma Web là. Et Akoma Montana, c'est parce que Akoma Montana, il y a deux bagages qui caractérisent la transparence et la participation. C'est-à-dire, ce n'est pas côté. Et la rupture, bon, deux éléments ça constitué de épine dorsale transition rupture là. Et il y a des gens qui gagnent de passer pendant 30 ans dans le pays, pratique le chita, dans la réunion à 1h, 2h du matin, pour aller discuter bambe MPAD, bambona, bambo AVCT, bambe la douane, bambe tel ministère. C'est-à-dire, deux gens qui ont pratique politique, ça, yo, qui pas jamais au moment donné mettre intérêt supérieur nation au cœur de combat politique à mener, et bien là. Il y a deux mondes dans la société civile, il y a deux mondes politiques qui disent, on chita parler, on réfléchit sur feuille de route, on réfléchit sur critères de transition, on réfléchit sur feuille de route gouvernement de transition, comme on parle de transparence, on ne peut pas venir. Et là, on ne peut pas venir, c'est pour la population comprendre que, yo, à Ariel Jodia, yo, dans accord avec Lambert Jodia, c'est parce que, vision partage gâteau, c'est lui qui... principal n'est pas capable de motivation moun sa yo et nous même dans combat là nous croyons n'a fait tout les efforts possible pour nous donner l'exemple dans la vie politique ou pas qu'à faire politique sans cohérence ou pas qu'à faire politique sans éthique ni conviction. Maintenant Ariel Henry c'est à la fois continuité Jovenel mais Ariel Henry c'est continuité projet PHTK et je dis à nous même dans combat là nous saluer prisonniers politiques et n'a demandé rapide au presto pour libérer les prisonniers politiques. Mais Ariel Henry n'a pas libéré les prisonniers politiques parce que dans tant qu'il est gagné à Jovenel, Jovenel Moïse dit moun, moi mette en prison sous force pour moi, qui t'a bataille contre moi, faut qu'on garantisse moi que je suis en prison. Maintenant, c'est un paradoxe pour des moun qui connaît que Ariel Henry n'a pas piqué faire de route
Jovenel Moïse, PHTK Mali, et dans la fin de août, ça faut que vous ayez des militants politiques dans la prison. Et je dis, il y a demandé pour libérer, pour les militants politiques libérés, et parallèlement, il y a un contact avec Ariel Henry pour être capable d'aller dans nos pouvoirs monocéphales et la trier. Nous-mêmes, nous disons à la famille victime, il faut que vous compreniez les politiciens sans éthique. Il a fait marchandage à prisonniers politiques. Et eux-mêmes, ils ont pour devoir pour continuer à mobiliser et combiner à accompagner et à continuer à accompagner pour véritablement nous être capable de libérer pour vivre avec famille ou avec petite. La communauté haïtienne qui vit à l'étranger, qui toujours manifesté solidarité avec les haïtiens dans tout moment difficile à traverser. Alors, tout côté qui gagne des citoyens et des citoyennes qui vivent les problèmes en Haïti, ils ont senti ça qui a traversé, ça qui a tracassé, et ils ont toujours manifesté solidarité avec les peuples haïtiens. Rappelez nous un moment particulièrement difficile où société haïtienne non soufflé Haïti pas jamais dans une situation comme ça depuis exister au niveau protocole d'entente nationale. Après plusieurs réunions nous avons fait dans mi-temps, nous avons jugé nécessaire pour te faire une convocation presse haïtienne le matin dans cadre un point de presse pour nous expliquer en quelques mots ouais, et situation. Non, et je dis à remarquer que point de presse, tout dirigeant campé debout, ça signifie nous encore dans position de combat, dans position de lutte, parce que là je dis le pays a traversé un moment difficile. Non, besoin, il faut que des gens dans la société qui vous prennent des responsabilités. Il y a besoin de gens qui viennent parler français en pile, qui viennent parler en pile. Il y a des dirigeants qui vont mettre, que ce soit au niveau de la présidence de la République d'Haïti, que ce soit au niveau de la primature, il faut que en femme, en garçon. Il y a des gens qui prennent responsabilité. Parce que situation, côté nous et la vie, je dis à l'âme, je dis, Haïti pas jamais dans situation ça. Nous avons une situation pourrie. Nous avons une situation côté pays a délabré totalement. L'État a été plat. Alors, je dis à l'État-major peine, nous avons choisi. Et on porteuse des paroles spéciales qui pour venir parler parole peine, nous avons passé la parole par camarade Marie-Denise Claude, en principe, qui parle par message que nous entendons sous lit et dans un moment difficile, nous avons traversé là, nous debout, nous avons continué à accompagner le peuple haïtien dans un moment difficile, nous avons traversé. Je parle passer nous, Marie-Denise Claude, pour le message spécial que Pendant Guerre pour adresser à la nation. Merci, camarade Serge. Bonsoir à vous tous et vous toutes. Son plaisir aujourd'hui, hein, pour nous rencontrer la presse et by position protocole d'entente nationale là. Je dis un pays a traversé une situation extrêmement difficile. Côté que nous avons plusieurs groupes d'haïtiens et d'haïtiennes qui réunis pour chercher des solutions. Nous connaissons nous-mêmes dans le protocole d'entente nationale là depuis le 9 juillet. Nous t'ai proposé à la nation une solution que nous croyons qui est capable de retirer nous dans sa noyère. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver à mettre en place la proposition que nous t'ai proposé à la nation. Mais il faut nous reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Et que je dis qui ça n'a pas cherché. N'a pas cherché un accord inclusif. Côté haïtien, haïtienne, capable de mettre tête ensemble pour nous proposer un bagage qui est applicable, vraiment, un accord qui est applicable à la nation. Mais nous-mêmes, nous avons peine.
jodi a tout dirigeant peigno nous voulons faire contre nation en connaît nous étions debout pendant là li debout et li rete avec même préoccupation yo pendant camper pour le dire que nous là nous à travail pour nous être comment nous capable établir un exécutif bicéphale dans pays hein, parce que c'est important nous penser que dans sa situation pays hein, et là jodia nous besoin un chef de l'exécutif qui sont président nous besoin premier ministre mais pour nous arriver là mesdames messieurs nous penser que faut nous gagner un accord inclusif qui gagne en pile monde la donne mais n'a cherché ça n'a relé un consensus suffisant bien sûr qui ça nous relé consensus suffisant c'est parce que ou pas j'aime gagner ça relé l'unanimité moi même comme sociologue moi toujours peur unanimité parce que des fois parler de l'unanimité ou parler de l'idée unique et nous pas croire que c'est bon pour la démocratie que nous choisissons. Donc je dis un message que nous voulons bailler avec toute population haïtienne non? Depuis 9 juillet les peines n'ont été proposées solution qu'elle était proposée jusqu'à jeudi à peine n'ont été debout n'a continué de travailler avec population hein? N'a continué de parler avec l'autre groupe pour nous être comment nous capables de river joindre un accord inclusif que tout le monde la donne. Consensus ça, c'est mettre les familles haïtiennes en confiance pour nous résoudre des problèmes que nous pas capables de continuer là-dedans, que ce soit au niveau sécurité, parce que je dis à n'a pas de sécurité. Il y a des gros problèmes que nous gagnons dans le Grand Sud. Mais nous avons besoin d'un ensemble de monde. Il faut nous garder la question ça ensemble. Nous un petit groupe pas qu'à faire pour col. C'est pour ça que nous-mêmes, malgré que Pennan t'ait proposé en question, aujourd'hui, nous pensons que faut que nous continuions à parler avec l'autre. Faut que ouais, comment nous sommes capables de mettre toutes les propositions ensemble pour trouver l'accord nécessaire pour nous capables de garder tout problème, ça, la sécurité. Combien de millions de monde, je dis, qui sont au chômage, qui n'ont pas qu'à manger, l'école va l'ouvrir. Est-ce que vous savez que dans pile parents qui ne connaissent pas comment ils peuvent voir les petits à l'école et l'État n'est pas en mesure, même pour dire qu'il est à l'école appauvrie, parce que justement, nous avons besoin de cet accord inclusif qui pour faire nous gagner un consensus suffisant pour nous adresser les différents problèmes que nous avons fait face comme nation. Donc, c'était important. Donnons tout dirigeant peigno pour que nous te fait adresse ça à la nation pour nous dire nous que nous sommes là, nous continuons le travail, nous continuons chercher plus de consensus pour adresser les problèmes paysans et proposer vraiment un accord inclusif à tout le monde. Merci beaucoup. Je vous remercie toutes et tous pour avoir fait le déplacement. Plusieurs ont souhaité venir signer publiquement devant la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire et je les félicite pour cela. Après une longue série de consultations et des rencontres avec divers secteurs de la classe politique et de la société civile, nous avons pris en compte des avis et commentaires émis par plusieurs organisations pour produire ce document final. Il servira de guide aux membres du gouvernement et à l'ensemble des forces politiques et sociales pour les mois qui viennent. Cet accord reprend la quasi-totalité des revendications légitimes et des recommandations formulées par divers secteurs de la vie nationale. Certains le trouvent ambitieux et prometteur,
mais nous pouvons offrir moins à nos concitoyens qu'ils veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente les affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun, qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques sur des bases nouvelles, dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En son conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du conseil provisoire, électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs par le biais du dialogue et de la concertation permanente. Mesdames et messieurs, dirigeants de partis politiques, mes chers amis de la société civile, la presse nationale et internationale, le secteur démocratique et populaire a pris la décision politique et historique de signer l'accord politique pour une gouvernance apaisée et consensuelle de cette période intérimaire. Cela n'a pas été une décision facile. Et comme vous le savez, le secteur démocratique et populaire a pris naissance dans une dynamique de confrontation et de contestation politique. Et c'est pas chose facile, c'est difficile, c'est compliqué pour un mouvement politique qui a pris naissance dans cet esprit-là d'accepter de venir signer un accord politique. Et c'est ça qui s'est passé dans tout le pays d'Amérique latine avec la gauche. On a pris une décision. Ouais, on saute combat, bien que tu fais lutte armée, et puis on va rentrer dans l'autre dynamique politique. C'est douloureux, ce n'est pas facile. Mais nous avons compris qu'il est venu de construire sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Le sénateur Carpierre qui m'accompagne pour signer cet accord au nom du secteur démocratique et populaire, avec lui-même, nous pourrons poser un acte historique. Remercier les milliers de militants, de sympathisants, les cadres et les dirigeants du secteur démocratique et populaire qui ont pris cette décision. Ce n'est pas une décision du directoire, c'est une décision de l'ensemble de l'organisation. Nous avons dit, population, nous pas intéressés, nous pas aucune folie, mettez mon président à tout prix, nous pas aucune folie, mettez mon premier ministre à tout prix. Pour nous, seuls les revendications de la population sont fondamentales, tout le reste est détail. Et nous avons signé un accord politique ça, parce que nous te promettons diaspora, secteur démocratique là, te promettons diaspora, que nous avons bataille pour que notre conseil électoral qui pourra le faire là, nous avons un représentant là-dedans.
Et comme dans l'accord ça, il est clair, il y a un représentant pour la diaspora dans la formation du CEP, nous signons un accord politique là. Nous signons un accord politique ça parce que nous te dit, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons de côté les revendications de celles et ceux qui étaient dans les rues avec nous. Nous signons un accord politique ça parce que dans l'accord politique ça, il dit très clairement, pour CEP Petro-Caribé, procès massacre La Saline, massacre Belé, massacre Delma 32, dossier ça y a avancé, y a pas campé. Il y a un accord politique ça parce qu'il dit très clairement, le dossier de l'assassinat du bâtonnier d'Orval, nous ferons avancer ce dossier. Nous signons un accord politique ça parce que nous dit, un dossier comme le dossier Petro-Caribé, d'autres crimes financiers qui ont été perpétrés dans ce pays pendant les 20 dernières années, c'est IRH, Dermalogue, c'est des dossiers importants. On ne saurait faire taire ces dossiers. N'a pas signé un accord politique ça, parce que dossier ça est là-dedans. N'a pas signé un accord politique ça, parce que nous t'ai dit, population, hein, faut bon gouvernement de consensus. Et dans cet accord, le Premier ministre et les signataires se sont engagés à mettre en place immédiatement, après la signature de cet accord, ce gouvernement de consensus. N'a pas signé un accord politique ça, parce que, nous dit très clairement, n'a pas signé ça. Il faut un engagement qui prend pour rétablir la sécurité et casser les gangs. Et nous même mettons en place dans l'accord une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons signer un accord politique ça. Nous signons un accord politique ça parce que nous disons PM non. Les gens qui sont derrière les barreaux pour leurs convictions politiques, ce sont des camarades de combat. Et dans l'accord politique ça, il est dit très clairement que les dossiers des différents prisonniers politiques éparpillés à travers le pays, ces dossiers, on va les activer, on va libérer tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de la République. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous dit nous avons une gestion efficace et saine des maigres ressources de l'État. C'est nous-mêmes qui commençons pour ces Petro-Caribé. Nous avons fini un accord, s'il n'est pas clair, que la gestion sera autrement. Il y aura un audit de gestion des organismes autonomes, c'est très important. N'a pas signé un accord politique ça, parce que revendication peuple là, il y a un accord politique là. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons mon gouvernement, l'exécutif, bicéphale. Nous vivons à côté, c'est parce que blanc pas vrai. Les acteurs politiques et de la société civile, tout le monde tellement besoin président, nous pas qu'arriver à faire consensus pour nous choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous ne sommes pas capables de faire consensus pour nous choisir président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession, hein? Nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons un accord politique ça, parce que toute revendication populaire, pour population la donne, même si nous fait quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques. Merci, mes chers amis. Merci, mes chers compatriotes. Michel Blasi-Boiron, moi je travaille dans le corps du génie en tant qu'ingénieur électrique et je travaille dans l'administration avec le commandant qui est le capitaine Massena. Donc je dis à nous là pour nous accompagner Caporal Abdon qui malheureusement est blessé et affecté dans un accident de camion. Et me semble que je sois ça, taper des manches, je jusqu'au le père pour essayer de faire l'entrée de presse. Donc nous passons 8 à parler au téléphone avec le commandant du génie. Hein. Donc son bail était vraiment frappant. Et nous avons que, même dans le développement, l'on fait partie de l'armée, ça n'arrive que ou blessé. Mais nous là et nous continuons à faire le bon. Non. Et nous avons accentuer que le caporal Abdon, nous déjà prétendons déjà parce qu'il fait administration et nous prétendons que nous finir avec soin, que le tourner, nous venons rejoindre nous parce qu'ils sont en jeune dans le pays, ils étudient tout ça et
nous souhaitons courage et nous appelons tout à tout élément du génie que le travail a fait commencer. Nous savons que Haïti, nous l'avons pour nos constructions, donc nous l'avons aidé à tout travail de développement. Yo. Et nous avons surtout avec catastrophe naturelle qui fait passer. Hein. Nous sommes là, nous répondons en moins de 24 heures, nous sommes déjà sous terrain. Et il y a un capitaine Tesnor, qui est un jeune capitaine, puis jeune capitaine de l'armée, qui est toujours sous les fronts pour aider, pour guider les jeunes dans le corps du génie. Et nous disons tout merci à commandant chef nous, qui est là pour guider nous. Et nous avons toujours continué à faire le travail de développement ça que nous avons fait. Merci. Le capitaine Boniface Damasena, moi c'est commandant pour le général. Donc, je dis à c'est une fierté pour nous. Nous accompagnons un vaillant et un soldat qui frappait sur notre travail qu'il a fait, le travail du développement. Car nous connaissons l'armée, c'est Wally qui fait nous participer, nous contribuer dans le développement réel et durable du pays. Est-ce pourquoi le corps du génie, le corps du génie gagne un staff ingénieur qui est formé à la faculté des sciences et aussi et des hommes, des techniciens qui prend formation en Équateur et je dis à vous mettez service et à la population. Toutes connaissances, toutes compétences. Le météo au sérieux météo disponible pour aider la population et pour faire le développement. Car c'est objectif l'armée et surtout le corps du génie, qui est des techniciens et des ingénieurs formés pour aider, pour aider pour payer ça capable au moins pour capable de stabilité économique, parce que sans le développement du pays, sans le développement réel et durable dans le pays, ça va pas. Donc nous accompagnons le staff. Et comme génial là pour accompagner le soutien, support et non non commandant en chef là et nous dit du courage, pas besoin de peur. Donc même gens qui ne pas aller pendant parce que c'est un camion qui est tombé sur lui à tout asphalte, donc c'est pas rien la vie. Donc nous te surprenons de apprendre de nouvelles à tout le monde, pas de sentir, pas de espoir. Mais grâce avec le haut commandement des forces armées d'Haïti, avec le ministère de la Défense, côté de mon staff, nous gagnons et Madame Lamotte hein, et l'évêque, hein, et donc et Ivner. Le cabinet, monsieur. Et le docteur Daniel. Donc nous avons rencontré avec lui, dit que ça nous bat nous, du besoin pour nous accompagner. Et soldats qui tombaient sur. Sur le chef du développement, donc c'est bien parce que c'est l'armée. Notre responsabilité, c'est aller jusqu'au bout pour sauver l'image du pays. Donc l'armée est là pour aider, pour faire le développement. Donc nous pas là, l'armée n'est pas là pour bousculer, mais elle est là pour contribuer au développement du pays, parce que le développement réel et durable du pays. Donc c'est bien. Même si il y a des gens n'importe quoi, on doit dire qu'on parle de la mienne, mais la mienne a tout quoi pays à travailler. Oui, effectivement, actuellement, la mienne depuis l'année à Tibonite. Dans une petite rivière de la Tibonite, les noyés, le côté où les noyés de la petite rivière de la Tibonite, côté où il y a tout bandit, et quand là, donc cela nous est lié en 2013, et jusqu'à ce présent, il y a un mot que nous faisons, il y a une place. Après Capiro, donc c'est le corps du génie qui fait, et aussi il fait intervention. Le corps du génie fait intervention du côté du Cornillon. Côté pas du tout, donc vous faites intervention. Et d'autre côté, vous passez actuellement, il y a travail du côté du sud là, et nous aurions avec le même moyen, mais n'a frappé parce que c'est rôle nous, c'est aider la population lorsqu'il y a catastrophe naturelle. Donc ça, vous savez, monsieur, pas démobilisé, vous toujours bien, même. Et force là, même lorsque il y a quelqu'un qui frappe, mais on a continué parce que son sacrifice là, mais il y a un sacrifice. Donc c'est ça qui sacrifice ça qui vient nous là, côté nous gagner. Et le ministère de la Défense, c'est dans le cabinet, et puis Madame Lamotte qui prend toute disposition ça pour nous capables là. Et nous déjà dit merci tout parce que nous pas la guerre, et parce que l'armée son force liée pour le développement du pays. Et tout le monde veut la parce que l'armée, nous disons l'armée, c'est le cœur du pays.
donc c'est le cœur du pays. L'on retire le cœur, pas de la vie. Donc l'armée, on ne peut pas retirer parce que c'est l'armée, c'est le cœur, l'on retire le cœur. Et bien c'est déjà moi qui me dit. La paix de nous, la même pour nous capables d'encourager l'armée ça. Hein, pour nous, population, et aider l'armée à vivre. Parce que sans population, on ne va plus vivre parce que c'est la population même qui est en train de travailler. C'est la population. Donc nous remercions vous, même qui peut prendre le soin pour capable de tendre nous. Et puis, important. Et que Abdon lui-même, même Jean que était passé, était tombé en bas, camion ça qui était chargé à soi, et il a la vie pour y aller parler, et c'est même la prendre du machine. Donc même bon Dieu ça qui était prend soin là, il a continué de prendre soin pour aller, pour continuer de prendre soin pour nous, et d'attendre pour retourner avec notre visage. Parler, écrit, télévisé, la presse en ligne, qui répond présent dans la conférence pour la presse. Parti socio-politique Vive Haïti a baillé conférence de presse ce matin. Pour nous rappeler tout le monde, jeudi à ce 7 septembre qui fait pays à 2 mois sans président. Pendant toute bataille qui a été gagnée, en plus le monde a déjà dit à peuple haïtien, automatiquement Jovenel tombé. A bien sécurité, a bon l'autre président pour prendre la relève et pays a pris son autre chemin. Côté tout le monde pour le vivre en paix. 2 mois après, jusqu'à présent, le pays a beaucoup de gens qui président. Alors que, à quoi absien, pas si par là. À quoi absien, à droite, à gauche, mais Vive Haïti a posé tête de question. Est-ce que dans tout accord, ça y a des revendications, peuple haïtien, qui c'est sécurité, libération prisonnier politique, grand goût, retirer peuple ça dans la saleté que lié, je ne vous dis. Combattre le phénomène d'insécurité, ça qui est là, arrêter tout le monde qui a entré les armes de façon illégale dans le pays, et puis dernier lieu, c'est l'élection qui vous fait de façon crédible, honnête et démocratique. Mais malheureusement, au lieu de nous tout accord, ça y est, tu as une revendication peuple à la donne, nous, chaque grand monde chita derrière l'accord, ça veut dire le ministre intérieur, ça veut dire le ministre finance, ça veut dire le ministre justice, ça veut dire BMPAD. Ça voulait toute douane, ça voulait toute APN, ça voulait toute bagaille, et finalement, qui ça peuple haïtien lui-même lui voulait. Qui ça peuple a besoin de tout accord ça, nous tous mettons sous table. Songez, nous tous bataille ensemble, nous te qu'on parler une seule parole. Retirer Haïti dans un pas difficile que lié, je ne le dis. Alors que je dis, tout le monde c'est tête, ouais. Tout le monde c'est ministère par eux, direction générale par eux, secrétaire d'État par eux. Alors que le monde dans le quartier populaire prend balle, dans le pays, il n'y a pas qu'à marcher. Bandi acheté là, il y a l'argent content. Tout le monde absent, il y a bien mangé, il y a bien boire, il y a une machine blindée, il y a qu'à fonctionner, ça fort ou même. Nous, à la veille de la rentrée des classes, nous tout à quoi ça y qui ça ne pensait pour parents qui est dans 3 départements, qui victime yo. Qui ça ne pensait pour réouverture des classes, ça qu'on fait là, pour le kidnapping, non, la rehausser là. Je dis, hein, et comme si Vive Haïti vient comprendre, nous confuse de ça qui a passé là. Chaque nèg gon accord personnel dans poche yo. Chaque nèg gon accord pour poche yo. Chaque nèg gon accord pour tête yo, accord pour retirer Haïti dans sa lié journée lundi an. Malheureusement, Vive Haïti pour couel. Dans contexte ça, Vive Haïti prend responsabilité pour nous dire nous-mêmes, nous t'ai déjà signé un premier accord qui te dit bicéphale. Ça veut dire un président, un premier ministre jusqu'à présent Vive Haïti toujours kembé et bien même accord ça que le signé. Et je dis nous vinn dire avec toute nèg qui pensait. Eh bien, nous allons passer sous deux peuples ça. Nous pensons que nous allons faire l'obéir. Nous allons faire gagote. Nous allons faire une piriche. Et puis, pour nous laguer le pays dans une situation difficile, nous avons dit que c'est bien compté, mal calculé. Il y a des gens qui ont demandé côté plainte, nous avons déposé pour Ariel et Léon Salaye. Nous avons dit jusqu'à présent, dossier ça, li la justice. L'a fait cool et nous avons prétendu, eh bien, nous avons devant eh bien, la justice. Parce que dans la bonne logique. Tout le monde constate kidnapping, il montre à clé, il gémet. Tout le monde constate à clé, phénomène de sécurité, ça, il gémet. Regardez hier là, Léon Sal en Igba en conférence de presse, bandit répond. Et bandit pas seulement répond non, il vient avec les policiers, il met des bons côtés, pour montrer que vous avez contrôle le pays. Bon, Léon Sal a gardé le bagage comme ça. Lui était là comme directeur de la police pour faire qui ça? Moun pas qu'à marcher dans la rue. Moun pas qu'à fonctionner. M'a gardé, eh bien, avant hier là, hier là, il ferme le pays. 3 jours, il ferme le pays. Moun pa ka sorti, moun pa ka fonctionner, et puis il y a directeur général de la police, et puis il y a chef CSPN, il y a premier ministre, Ariel premier ministre, qui ça? N'est-ce qui besoin de faire à quoi avec Ariel? Pour faire qui ça? Pour faire qui ça? Ariel présenté déjà là comme un nul, il n'y a pas qu'à résoudre aucun problème.
on nous garde depuis qu'il est installé là. Employé l'État pas qu'à toucher. Dans le grand sud là, en pile d'on bail de la part de communauté internationale là. Ariel Boko, je me dis, mais qui quantité manger le recevoir, mais quantité cob le recevoir, mais qui plan gagner de reconstruction, trois départements ça y est. Yo di yo a avancé l'école non série de département, il y a pas avancé non série de l'autre, il a fait bac non série de l'autre. Mais qui plan nous gagner pour l'école qui crasé dans grand département, dans trois départements yo? Qui plan nous gagner pour établir sécurité? Eh bien pour parents ti moun, voye ti moun l'école. Comme si Léon Charles bla bla bla, kidnapping nous augmenter, et puis parents pas voye ti moun l'école n'importe qui gens là pour bandi vinn kidnapper yo. Donc jodi yo là, nous vinn di peuple haïtien. N'importe moun yo kidnapper petit tout, c'est pour Léon Charles payer des dommages. N'importe moun yo levé ma ou yo levé madame ou c'est Ariel Henry pour payer des dommages parce que tous les deux ces chefs CSPN yo là pour établir l'ordre et sécurité et comme si m'ta k'ap dou bandi yo après l'an mon Jovenel patron yo était font poser mais puisque yo paraît là yo pas grand rien que sérieux k'ap fait nan bon langage yo rebondi et ceci yo rebondi en force. Ou ap gade nan kwa de bouquet même petit bagaille là dans département l'ouest là dans Port-au-Prince même petit bagaille là jodi on là. Nous kembe ou fè les Vincent pour nous faire qui ça? Nous kembe une série de ministres pour nous faire qui ça? Donc c'est dans le contexte ça, Viva Haïti by conférence de presse ce matin et pour nous dire Ariel ou pas gagne rien ou pas faire là, ou qu'on grand bagarre pour passer démissionner pour aller répondre question de la justice. Mais pour nous-mêmes au niveau Viva Haïti et nous te prendre responsabilité nous pour nous dire nous déposer plainte et nous-mêmes demander commissaire gouvernement pour arranger le coup mettre Jean-Jacques pour plainte ça faire route que le doit faire. Parce que dans la bonne logique, que le mafia, que le monde qui a un soupçon assassin sous le dos, que le monde qui a nourri le phénomène d'insécurité, que le monde qui a fait gagote dans cet état, que le monde qui a cherché costume pouvoir pour ne pas répondre à la question de la justice, Viva Haïti a campé en face. Donc nous-mêmes, dans la bonne logique, nous-mêmes nous disons phénomène d'insécurité, ça gagne là, à 80%, que le monde qui dit qu'il y a une opposition, nous la donne, parce que je veux dire, tout le monde constate que la bouche opposition a un bon goût, parce qu'il n'y a pas qu'à parler encore, tout le monde qui a tout n'est gen conflex, tout n'est gen sac di bon goula kayo, donc problème grand pou yo résoudre. Yo pa ka vin parler là, yo pa parler de phénomène de sécurité, yo pa parler de Ariel. Ou kon ya là, si mon téwo di mérite balle là pour Ariel parce que gen ka bien vivre, gen ka bien totot conteneur nan men yo, sac l'argent nan men yo et puis et l'aide bon goût nan men yo, di bon goût nan men yo, za fait peuple là nan grand goût. Za fait nous nan souffrance. Nous connaissons déjà pas mais c'était nous yo di yo. Yo di yo déjà. Même nous vinn là pour dire peuple haïtien. Engagement nous-mêmes nous te prend, n'a kembele n'a rete beaucoup tout. Parce que voilà, pas gen moun qui va le faire nous ni prendre poste dans Ariel, ni négocier en rien dans Ariel. Et si gon bagay Ariel besoin d'y avec nous, s'il gon signal pour le bas, c'est prisonnier politique pour lager. Donc nous-mêmes nous pas chercher ni job, ni poste, ni cob, parce que un groupe moun pas qu'à prendre pays. C'est 8 septembre. Jeudi 7 septembre, excusez-moi. Fait exactement. Deux mois depuis ancien président de facto Jovenel Moïse mourir assassiné. En pile monde a crié à demander justice pour Jovenel Moïse. Oui, d'accord. Il mourir assassiné. C'est pas malade, des malades qui fait le mourir. C'est assassiné ou assassiné. Oui, Jovenel mérite justice. Et nous, mais c'est pas. Nous avons pile d'autres monde qui mourent sous Jovenel. Jusqu'à présent, il n'y a aucune justice. Si nous prenons par exemple, mettre mon ferrier d'Oval, qui 28 août sont passés à la sorte faire un an depuis le mourir. Jusqu'à présent, quand on a parlé à là, la justice fait bekeke sous assassinat de M. d'Oval. Sans ne pas oublier une semaine avant Jovenel lui-même n'était mort. Et Nettie Duclair, Diego Charles, sans compter 19 autres monde en Delma 32 qui étaient mouru assassiné. Étudiant. Massacre qui fait dans le quartier populaire. Étudiant qui mourit dans la faculté. Grégory Saint-Hilaire. Comme quoi, il n'y a pas de monde, il n'y a pas mérité justice. C'est ça que nous-mêmes nous venons là pour nous dire. Mode justice sanguin là, avec mode l'obéi autorité sanguin là, yo, pas favoriser en ken victime jouen justice. Et c'est pour raison ça. Ouais, Jean
bandi yo, gang yo, yo arrogant. Parce que c'est même l'obé yo qui a dirigé. C'est même l'obé yo qui a pris décision. C'est chaque semaine, autant de police nationale à la conférence de presse. Mais c'est même parole yo qui a répété. Pas jamais une autre parole qui est différente. Je veux dire de justice, on m'en a parlé. Mais nous même au niveau de Viva Haïti, nous regrettons, on est avec Jovenel Limoui. Je dis, faut que Jovenel soit un monde qui est derrière barreau pour répondre à une question de la justice. Pour crime de sang et crime et financier qu'elle participe là-dedans. C'est ça que fait nous même au niveau de Viva Haïti. Nous avons exhorté, ensemble secteur, dans la vie nationale là, bataille pour nous joindre justice. Pour toute victime Jovenel, yo, faut que bataille ça continue à faire chemin. Pour ne pas perdre nos questions de négociation pour pouvoir. Partage gâteau, etc. Pour oublier la responsabilité de gagner dans la société pour que justice a lui-même les fleurs. 2 mois après Jovenel fin mou. Nous avons gagné 3 accords. Nous avons gagné 3 accords. Gagné 1 accord. Félix Badjo qui était préparé même avant l'assassinat Jovenel Moïse pour c'est un grand monde qui était qui le pouvoir et c'est à quoi ça qui n'a mis Ariel a marché tout côté devant toute organisation, toute parti politique, plusieurs conteneurs l'argent en main, mais à quoi Félix. Grand-père Turnus, curé paroisse-là,
autorités civiles, policières, mon frère Père Moyo, frère Maxime Moyo, nous comptons rassembler et citer dans trois démissions pour nous capables de célébrer fête, croix glorieuse, exaltation de la croix. Dans fait ça, nous venons fixer le regard nous sur croix à Jésus qui portait la vie pour nous, qui portait délivrance pour nous, qui portait victoire pour nous. Jésus dit Nicodème, personne ne peut monter dans le ciel là, sauf petit monde qui descend sur le ciel. Même Jean-Moïse s'est levé en laissant un qui fait un cuivre là, dans sa vente désolée. C'est comme ça que nous avons levé petit monde en l'air bien haut. Et tout le monde qui croit dans lui va gagner la vie qui va bien finir pour tête. Oui, pour Dieu si tellement vers nous, il va y servir une petite lia pour nous. Comme ça, dès que le monde croit dans lui, il ne va pas périr. Mais la vie qui n'est pas bien finie. Bon Dieu, pas prévoyé petite lia sous terre pour condamner le monde. Mais tout le monde qui a sauvé pas pour voir petite lia. À nous faire louange à compliment pour grand maître. Petite sœur bien-aimée. L'Église célèbre aujourd'hui la fête de l'exaltation de la croix, la fête de la croix glorieuse. Et pour nous autres, à croix d'émission, cette fête revêt un caractère particulier, car c'est la fête de notre paroisse, la fête de notre communauté qui est dédiée à la Sainte Croix. Pendant que la vie se dieu nous, pour nous garder Jésus sous croix, nous pouvons demander Jésus la grâce pour
nous lutter contre division, pour nous lutter contre tout ça qui veut diviser nous en peuple, en chrétien, en nation. Il y a plus de bagailles dans notre Seigneur qui divise nous. Il y a plus de bagailles qui mettent nous dans un mot qui fait nous l'on de l'autre. Nous l'on parler entendre nous avec l'autre. Nous prier si nous sommes vrais avec seul. Nous prier dans notre Seigneur que ça qui unit nous, le plus fort, parce que tout ça qui veut diviser nous. Ça qui mettait nous ensemble, ça qui unit nous, ça qui fait nous, le seul peuple, le plus fort, parce que tout ça, pas diviser nous, pas séparer nous d'un autre, pas mettre nous tous à nous, l'un à l'autre. Frère Maxime, pas décourager, parce que dès un jour qu'a arrivé, n'a pas délivré grand-mère, quel que soit Jean Saillé, nous derrière pour nous délivrer, Haïti derrière pour les délivrer. Nous ne pouvons pas nous décourager, nous ne pouvons pas nous désespérer, parce qu'avec toi Jésus, avec Jésus, avec confiance nous dans Jésus-Christ, la joie de guérison pour maladie, la joie de consolation, la joie de réconfort, nous besoin dans l'épreuve nous, avec Jésus, avec confiance nous dans Jésus, victoire nous. Les assurer. À quoi Jésus-là, dans l'action, victoire nous assurer. À quoi Jésus-là, dans l'action, dans le point, victoire. Et victoire que Jésus a dans nous, c'est pas une victoire pour dix ans, c'est pas une victoire à demi, mais c'est une victoire totale, capitale, c'est une victoire capturée pour tout temps. C'est pour manger. Mais des forces dans nous, c'est pour combler nous à grâce, et c'est pour lui-même qui déjà remporte la victoire. Et nous croyons que, avec lui, nous partons du bataille, avec lui, nous déjà gagnons la bataille, avec lui, nous gagnons pour nous exalter, avec lui, nous gagnons pour nous glorifier, avec lui, la vie nous est pour belle, Haïti est pour belle, avec lui, nous gagnons pour nous gagner la vie qui va jamais finir. Amen. C'est pour protéger nous. C'est pour faire face l'éclairer sous nous. Pour prendre pitié pour nous. C'est pour virer face les notre direction nous. Pour pas nous que poser. C'est pour bénédiction, bon Dieu, qui gagne tout pouvoir. Papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint, descend sur nous pour le rêver tout le temps.
là. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé va chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Thank you.